Bonjour à tous et bienvenue chez Bonnefils Automobile. On se retrouve aujourd'hui avec ce nouvel arrivage. Donc c'est la deuxième qu'on reçoit cette semaine, donc la première que je vous ai fait en vidéo est déjà vendue. Donc on est sur une Golf 8 GTI Club Sport. Donc si je ne me trompe pas, on y retrouve le 4 cylindres de l'ITSI, donc exactement, vous pouvez me corriger en commentaire, le même moteur que sur la Golf 8 R. Sauf qu'ici au lieu de 320 chevaux, il va développer 300 chevaux. On y retrouve donc tous les rappels rouges pour le GTI. Avec ce logo, on remarque qu'on a le régulateur adaptatif. Au niveau de la couleur, on est sur le Dolphin Grey, donc en option chez Volkswagen. Et on va y retrouver du coup sur la Club Sport les jantes de la Golf 8 R avec les étriers peints en rouge et siglés GTI. Donc on a des rappels un petit peu partout autour du véhicule. Donc c'est une première main d'origine allemande, première mise en circulation le 16 mars 2021. Elle totalise 37 900 km et est affichée au prix de 34 900 euros. Côté option, on va y retrouver le GPS, CarPlay, caméra de recul, virtual cockpit, détection d'obstacles avant-arrière, on a les sièges chauffants, l'affichage tête haute, l'alarme, les amortissements donc pilotés, l'arme en cardan, le système actif de protection des occupants. Au niveau du coffre, donc on y retrouve quand même de la place. On est sur une berline classique type Audi A3. Au niveau, je vous dis, des concurrentes, on va retrouver du coup la trousse de secours d'origine. Donc c'est un véhicule première main. Donc vous voyez, le véhicule à des moments va monter le régime moteur. On va avoir tout ce qui est kit anti-crevaison. Sur la Club Sport, on y retrouve ce magnifique béquet en piano black, logo GTI. On a les deux sorties d'échappement. Donc je vais vous montrer par la suite. On a le mode sport et après on a ce qu'on peut appeler environ le mode track avec le logo du Nürburgring qui s'affiche. Donc vous voyez du tissu, on a le pack LED. Au niveau de la sellerie, cuir Alcantara sur piqué rouge, motif nid d'abeille, donc ça rappelle vraiment les Golf 7 en TCR. Et on va y retrouver une partie clim avec le réglage de la température. Et on a du piano black un peu partout autour du véhicule. J'ai voir le véhicule de face avant. Donc on n'a pas l'option des anti-brouillards en damier. Donc à l'intérieur, tapis de sol hiver GTI. On a les magnifiques sièges baquets cuir tissu Alcantara sur piqué rouge, réglage manuel. Donc les sièges sont chauffants. On a un espace ici pour notre téléphone. Donc on va s'attacher. Volant, donc trois branches sur piqûre rouge, on a tous les boutons tactiles, palette, le virtual cockpit, donc ce que je vous disais, on a le logo Nürburgring qui s'affiche juste ici. Malheureusement, on va enlever le start and stop. Hop, véhicule. Tac, tac, tac. Oui, on a tous les réglages, que ce soit au niveau de l'habitacle ou de l'extérieur, avec les données de conduite. Juste ici, on peut régler les modes, donc je vous disais éco, confort, sport, et après on a le spécial avec le logo Nürburgring et l'individuel, donc vous pouvez régler par vous-même. On va voir juste ici, donc boîte à vitesse, donc D ou sport. On a démarrage sans clé, parking, emplacement pour téléphone, les deux clés, porte gobelet. On est vraiment sur une finition type nid d'abeille. Sono Harman Kardon. On a ici tous les modes pour les feux. Pack d'ambiance LED. Et nous sommes partis pour l'essai routier du véhicule. On a bien évidemment le CarPlay donc sur ce véhicule. CarPlay sans fil. On n'a pas besoin d'avoir une prise jack. Après, tout ce qui va être siège chauffant, clim va se régler. Tout en fait va se régler depuis l'écran sur ces nouvelles Golf. On n'a plus les commandes qui se trouvent ici, ça a été remplacé par les boutons pour les modes. Donc nous sommes situés à Barraqueville en Aveyron près de Rodez. Vous pouvez retrouver tous nos véhicules disponibles à la vente et visibles sur parc. Donc large gamme et large choix de véhicules premium. Nos annonces sont disponibles sur notre site web bonnefilsautomobile.com mais également sur les plateformes de revente telles que Le Bon Coin ou encore La Centrale. Et je vous mets dans la description de cette vidéo l'annonce complète du véhicule sur Le Bon Coin.
retour à l'échappement d'origine. Je rappelle, le véhicule est 100% d'origine. La puissance a du mal à passer au sol. Je rappelle, on a des pneus en très bon état. Le sol est sec. Et je rappelle, 300 chevaux en traction. Donc c'est vraiment plus joueur qu'une Golf R. Je le trouve personnellement plus agréable à la conduite. Le fait d'avoir 300 chevaux en traction, la voiture essaye de chercher un petit peu. On entend le turbo qui souffle, petit retour à l'échappement. C'est une voiture vraiment très très plaisante. Et une fois passée en mode confort, on retrouve une Golf vraiment pour tous les jours. Nous en avons maintenant fini avec l'essai de cette Golf 8 Club Sport. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker ainsi qu'à la partager si vous le désirez. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains essais. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.